Chittakasha Gita, traduction française, Georges Lenigène. Extrait. Bhagwan Nityananda nous dit que Dieu est en chaque homme, et que toute l'humanité est en Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'humain et le divin. Le conscient et l'inconscient sont un. Tout se reflète dans le même miroir, qui est appelé ciel de la conscience ou Chidakasha, l'espace à l'intérieur du cœur de Shiva. Le cœur, ce n'est pas le cœur physique ou même le chakra du cœur, situé près de lui. Le cœur, c'est le ciel unique, indivisible de la conscience, absolu. Ce cœur est au-delà du corps et des sens, et ne peut être atteint qu'au moyen du chakra couronne au sommet de la tête. Le Chidakasha comprend trois points, Shiva, Shakti et Nara, et devient une expérience permanente lorsque la libération est sur le point de se produire. Chidakasha, c'est le trône de Shiva et la résidence de son énergie primordiale. Il comprend lumière, vibration et son. De ce son, on peut entendre Omkar. Dieu n'est pas une image ou une statue ou une idole dans un temple, mais Dieu existe en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est le temple à l'intérieur duquel Dieu réside. Omkar est le mantra Aum qu'il produit et ce qui donne la puissance et la forme à l'univers des êtres sensibles. C'est la vibration de Chidakasha qui est connue par les adeptes du saïvisme comme Visarga. La Chidakasha Gita n'est pas un ouvrage de philosophie. C'est un ouvrage pratique qui use des expériences simples, tirées de l'interaction avec des objets du quotidien, qui nous aident à comprendre les connexions les plus profondes entre Dieu et sa création. La Gita déclare encore et encore que le but de toute vie humaine, de toute naissance, est de fusionner avec l'absolu, d'atteindre la libération
lorsque nous sommes encore présents dans notre corps. Le message est clair. N'attendez pas. Faites-le maintenant. La Gita souligne que c'est le gourou qui est le moyen principal. Le réveil de l'énergie primordiale et les instructions pour la pratique spirituelle doivent être données par un enseignant qui est devenu un initié, un jnani. Il est dit, il n'y a pas de place dans le monde pour celui qui n'a pas d'enseignant. Une telle personne est égarée. Vous ne pouvez réaliser la vérité sans un maître. Il faut suivre l'instruction du maître jusqu'à sa libération grâce à la bonté et à la bénévolence du gourou. Le maître, qu'il soit un swami, un renonçant, un brahmine, un connaissant, n'est pas quelqu'un qui détient juste un titre, qui porte une robe et qui porte dans sa main un exemplaire de la Bhagavad Gita. De même, quelqu'un qui connaît très bien les Védas, les Puranas et tous les textes sacrés ne peut être une telle personne. Le vrai gourou, que l'on peut appeler aussi Swami, Sannyasin, renonçant, Jnani, eh bien le vrai gourou est seulement une personne qui n'a pas de désir et dont l'esprit a fusionné avec l'absolu, Paramatma ou Paramshiva. Un tel gourou voit tout en Dieu. Un gourou est celui dont l'esprit reste en permanence dans la volonté divine et l'intelligence de l'âme suprême. Un tel être voit Dieu en tout et en tous et ne fait aucune distinction entre le mien ou le vôtre, bien ou mal, honneur ou déshonneur, ou entre classe, caste. Cet être a une expérience ininterrompue de la plénitude, et il sait qu'il n'y a rien de tel que dualité ou multiplicité. Cet être fait l'expérience que l'univers entier est inclus en lui et que lui-même est présent dans tout type d'objets, personnes, lieux et choses. Pour que la relation fonctionne entre le gourou et son disciple, le cherchant doit avoir une foi ferme et résolue en Dieu et en son maître. Cette foi est exprimée au travers du respect scrupuleux des instructions spirituelles données par le maître. Encore et encore, la pratique spirituelle, c'est la volonté de s'écarter des mondanités, la volonté de détruire nos attachements au plaisir des sens et au plaisir du monde. Cela se produit grâce à la destruction de l'idée du corps, connue sous le nom de ego. L'âme pure et véritable n'est pas perceptible par les sens. Nous comprenons que Dieu, l'âme, ne peut être réalisé qu'en allant au-delà du mental et au-delà des sens.
Sans dévotion, il ne peut y avoir de libération. La dévotion et l'abandon au maître et à la voie sont des nécessités absolues. C'est l'intensité de votre dévotion pour Dieu et pour le maître qui va produire la sagesse. Une fois que vous avez acquis la sagesse, votre dévotion va grandir automatiquement. Lorsque la dévotion est intense, la sagesse se manifeste d'elle-même. Sagesse et dévotion fonctionnent ensemble. En travaillant sagesse et dévotion, en limitant son désir, on s'aperçoit que les envies que nous avons par rapport à d'autres personnes, à des lieux ou à des choses est détruite et que la paix parfaite est atteinte. Bhagwan Nityananda dit Viveka, c'est-à-dire la capacité de distinguer le subtil du grossier, et Vairagya, le détachement, sont absolument vitaux pour atteindre la vérité. Sans Viveka, la discrimination, nous ne pouvons apprendre à choisir Dieu contre le profane et les désirs, parce que nous ne sommes pas capables de faire la différence entre ce qui nous amène vers Dieu et ce qui nous éloigne de lui. Nous ne pouvons non plus rester absorbés dans notre état naturel et libre, sans détachement. C'est ce détachement qui nous permet de garder notre esprit concentré sur l'éveil, suffisamment longtemps pour réaliser qu'il n'y a pas de monde extérieur. Tout se produit au sein de la conscience suprême, la puissance de Shiva Shakti, qui est aussi contenue par vous. Avec amour et dévotion, j'offre ce texte au pied de lotus de l'être suprême. Om Namah Shivaya.